Amis viewers, bonjour et bienvenue pour les suites de nos aventures sur Mountain Blade Wonderlord avec Krugus Decimus Meridius, c'est ça, hein. Attends, fais voir. Meridius. C'est ça, Meridius. Je suis plus sûr. Alors, on va où? On va à Lagetta, pourquoi faire? Regarde un peu tes quêtes à la con. Il y a moyen qu'on fasse une bagarre là. Non, elle est vraiment. Je vais me barrer. Elle est vraiment en mode recrutement là en fait. Hop, je vais me gagner un point de relation avec Agorix, c'est vraiment gratos. Je me suis fait déboîter mon. Démonter mon armée. J'avais plein de troupes d'élite et tout, putain, ça me saoule. Ok, on a un petit tournoi qui nous attend. Super, ça j'adore. Ça j'adore. C'est bon, on est qualifié. Et 1v1v1. Donc là, il y a. Je pense qu'elle fout dans un tournoi, elle. Narcissus, faut le défoncer. Après là c'est Agorix, c'est le chef de faction, donc normalement il va être balèze aussi. Attends un peu Sabila. Ok super. Oh la finale ça va être... La finale c'est contre mon healer quoi. C'est là qu'elle fait une attaque spéciale. Déjà, elle nous a empoisonné pendant la nuit. Alors, tac, tac, tac. Ah là, si ça, c'est pas stylé, mon gars. Faut juste que je change de plastron maintenant, parce que. Ça va pas. J'ai combien? J'ai 12 000, on est bien. J'ai mes 3 magasins, je crois. J'ai 12 000 balles. Voilà, oui, voilà. Ça, c'est un casque, ça. Ouais. Je vais chercher. Oui, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. 20 d'armure.
Je voudrais ça. Oh. Il n'y en a pas. Je voulais voir les plastrons un peu. Bien, eh bien. Avant que j'arrive à sortir Garios de Jamalis, mais. Encore moins de chances de rentrer qu'avant. Pourtant, mon armée est plus petite. Alors, recrute, recrute, recrute. Empire Vigile, ouais, bon, fichier. Y a pas de prétorien, jamais de prétorien. Tu vends quoi toi? Oui, je prends. Merde, je me suis trompé de bouton. Putain. N'empêche que j'ai pris un javelot dans l'oreille, hein. Mais le javelot, j'ai absorbé 65 points de dégâts avec le casque de foule. Soixante-cinq points de dégâts absorbés, c'est juste énorme. J'ai capté qu'après qu'en cours de route que c'était de la cavalerie. J'ai arrêté tout le monde, mon gars. Ouais, j'ai traversé la tête du cheval et du mec, quoi. Ah, genre ça fuit carrément déjà? Ok. Il y a encore 5 gars là-bas, il faut les buter. Ok, c'est gagné. On est passé à 9 de relation avec le gars, c'est cool. On level up un petit peu. Je fais toujours un tri par valeur. Si ça vaut pas 10 000 balles, ça c'est de la. Bon, je vais aller faire la hideout sans quête, hein, mais j'ai jamais cette putain de quête, alors bon, on va y aller comme ça. Donc sachant qu'en fait quand on va le défoncer, tous les nobles autour, alors je sais pas sur quelle zone. Et tous les nobles autour, eh ben, ils vont nous aimer de plus 2. Est-ce qu'on s'emmerde?
Putain, Nathanos il s'est fait défoncer. Ça me dégoûte. Heureusement que je l'ai pris lui, parce que de toute façon, le mec qui était à droite, il serait fait tuer. Là, c'est Nathanos, il est mortel. Ah, quoique, on voit beaucoup de noms mourir depuis le début. Bon. Je pense que mon frangin, il est immortel. C'est pour des Zénons. Des Zénons. Des Zénons, bien sûr, les fameux Zénons. Pour des raisons scénaristiques, à mon avis, faut crever le bordel. Ça va, j'ai deux blessés pour l'instant, il n'y a pas de mort. Trois cent quarante-neuf points de dégâts. Envoie ma lance, putain! Je peux pas la récupérer, c'est dégueulasse. J'arrive pas à le choper. Ouais, je le prends en duel. C'est toujours plus, plus stylé quand même de finir en duel, je trouve. Là, je vais pas souffert, hein, je suis à 100% de PV, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais plus d'armes. J'ai perdu mon arme. Oh, j'ai le seum. Je suis un peu honteux là, faut le dire. Alors, j'ai perdu mon arme, après j'ai un peu paniqué, j'ai rangé mon bouclier. Enfin, j'ai ressorti mon arme, ça a rangé mon bouclier. Une merde en entraînant une autre, je me suis fait défoncer quoi. Hein? Non, mais faut le dire au bout d'un moment, faut arrêter de tourner autour du pot, hein? J'ai encore plus de café, bordel. Alors, smelt. Allez, on smelt. Super. Et du. Bon. J'en suis à 15 en craft, c'est vrai. Je suis pas prêt de me faire une arme. Allez, elle est sympa, elle, non? J'aime beaucoup cette lame, Engraved Baxford Blade. C'est sympa aussi. Ça, c'est une difficulté 145, cette arme. Non! Ouah, j'ai mis le clic. J'ai pas fait de la cavalerie, j'ai fait une merde, je fais ça. C'est que c'est une merde là. Non, en vrai c'est stylé aussi ça. Un mur de lance avec ça, putain mon pote. Ça envoie du steak. Bon alors attends.
Il y a un tournoi, donc on va se reposer. Ah là 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 là, ce duel contre le chef là, ça m'a bien mis le seum quand même. Bon, autrement dit, ça ne sert absolument à rien d'essayer de crafter quoi que ce soit. La moindre épée, elle a 145. Ceci dit, c'est bizarre. Ouais, c'est-à-dire que le machin, il était parti chercher. Ça, c'est une full T1. Qui est moche, hein, évidemment. Et c'est déjà 40. Ah. Ah, ça change tout. Ah. Il y a des armes liées au mode en fait. Bon, les lames sont courtes, hein. Les lames sont courtes. 66 de reach, 67 maximum. Ah. Ah, 95. Ah bah on est bien, on est bien. Super. Bah ça me hype ça en fait. Ok, super. Vivement qu'on ait le craft des armures. Ça va venir, c'est sûr. Que ce soit par Tales World ou les modders, je sais pas, mais ça va venir. Alors, 87%. J'en suis où du Smithy? Je sais plus. C'est tellement chaud, quoi. À monter, c'est vraiment. Enfin, on va y arriver. Alors, wait here. J'ai ma chaise de bureau qui va vraiment se casser à la gueule au bout d'un moment. Je vais faire un Tipeee, tiens. Non, pas un Tipeee, un starter. Pas une cagnotte pour m'acheter une chaise, quoi. Oh, je t'aime. Ce sera pas pour moi, ce sera pour un de mes gars, mais. Bleu rouge. Ah, c'est vert. Le vert, ouais. Il a du mal avec les couleurs, le Krogan, excusez-le. Il est stylé ou pas? Super. Bon, on s'était qualifié de toute façon, mais j'ai un peu peur quand même. Un Krogus contre un Spearman. Allez. Oh yes. Ah putain, bah ouais. Ah.
Je... Merde. Ça, c'est mon médecin, tu vois, il s'est vengé de la branlée que je lui ai mis tout à l'heure en finale. Il a empoisonné ma bouffe, quoi. Bon, j'ai que 99 trous? Pas de fois de ma gueule. Tu crois que j'ai perdu les 10 troupes que j'avais avec moi dans le layout? Non. En vrai, je pense on est vraiment sur une quête de merde. Hein. C'est-à-dire que les brigands, ils t'attendent. S'ils couraient vraiment, bah, tu pourrais jamais les rattraper. Seulement, ils t'attendent. Il y avait autre chose, parce que j'ai dit non seulement, donc il y avait autre chose derrière, mais alors... Complètement oublié la fin de la phrase. Non seulement ils t'attendent, mais en plus. C'est souvent ce qu'on dit après non seulement, on dit mais en plus. Eh oui! CQFD. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'il me manque 10 troupes, quoi. J'ai réussi à avoir un mort en tapant des brigands, quand même. Ma vie, c'est de la merde. Ok. Ouais, du coup, je vais voir pour acheter des... recruter des troupes. Hein. Oh putain, je peux monter à 135. Bon, ça se fait. J'ai monté le niveau de clan, peut-être. Yes! Ah, je suis éligible à créer un royaume à plus au tir clan 4. Et je peux avoir un workshop de plus. Il est vénère, lui! Tout à l'heure, j'ai dit que les lanciers auxiliaires c'était de la merde. Ouais, le machin, il en peut plus, quoi. Je vais te prouver, Croc, que je ne suis pas une grosse merde! Oh, pour gueuler comme ça. Ouais, Sabila. Je le savais. Je le savais. Ah, mais au plus bas, ça doit être violent. Pardon. Ok, c'est bon. Empire Centurion. Ah bah putain, je suis foutu. Ouais, cool. Quand tu vois le bordel débarquer, tu dis, oh putain, je suis pas dans la merde. On fait voir un peu, je suis top 10 là, non? Moi je pense que je suis top 10. Top 7, enfin top 10 quoi. Bon, par contre, Caladog il a 19 victoires de plus. Il a gagné autant de tournois que j'ai déjà. Enfin, deux fois plus quoi. Faudrait que je refasse autant. Je sais pas si cette phrase voulait dire quelque chose, j'en peux plus.
Tu veux un casque? Tu veux un casque, toi? Oh, il a le même déjà. Après, il y en a pas que j'aime bien, à part, ouais, Nabiloute, mais. Bon, sans plus, quoi. On va aller s'acheter un magasin du coup, je vais aller dans la ville d'à côté. Ouf! 20 000 de loot. Il y a une couille là. Alors, il est où mon... peux pas leur donner de points à mes gars, alors. Il y a déjà un point là, je peux le mettre en intelligence. Un skill point aussi, bah je peux le mettre là. Super. Alors Diesma 00, tête à Toto. Par contre, ouais. Diesma, c'est ma soigneuse, et eh bien. Nathanos, 0-0, tête à Toto, donc lui, je peux rien lui faire apprendre. Pas de points en tout cas. Astricus, il fait quoi lui dans la vie alors? Dans Jiner, c'est ça? Lui, on l'a fait juste avant. Sabila, elle a rien. Et encore, tu vois, c'est écrit 1. Ah, one handed pour elle, hop, deflect. Bon, j'aurais pu lui mettre Basher aussi. Ça, c'est ok. Où il va rester Krug. Il y a un blason là, il y a un 1, ça me stresse. Et Sabila en athlétisme. La petite sauvegarde qui va bien et quoi? Ah, ça fait chier, je voulais aller acheter un magasin ici, moi. C'est vraiment chiant de pas pouvoir aller chercher Garios, je peux pas me vassaliser. Ok, encore un tournoi, ce sera le 21e si on le gagne. La récompense est merdique.
Cette épée est beaucoup trop longue. Faut que je change de plastron, il est vraiment dégueulasse. Hein. Ok, nickel. La finale, c'est contre Varmiro, ça risque d'être compliqué. Il a l'air affûté. Hein. Ouais, nickel. Ok. Bon, écoutez les amis, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. À demain. Ciao.